Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 novembre 2024 et j'ai reçu du courrier. Alors je m'excuse auprès de Damien parce que ça fait déjà quand même presque une ou deux semaines, je ne sais même plus exactement que j'ai reçu son courrier et je n'avais toujours pas fait de vidéo. Donc c'est chose qui va être faite et j'ai reçu aussi un courrier de notre amie Kitty Kratine. J'aurais quelque chose à vous dire. Pour Kitty Kratine. Voilà. Donc j'ai reçu la carte de Damien et un colis. Donc, Damien qui m'a envoyé une belle carte. Elle est superbe. Je l'avais déjà ouverte, hein. Mais je crois que je ne vous l'avais pas encore fait voir en vidéo. Voilà. Hop, je me mets là. Attendez, je vais reculer. Hop. Là, je serai en bonne position. Voilà. En fait, mon pied, il faut que je le décale. Voir plus la lumière, voilà. J'ai perdu quelque chose. Attendez, un peu de luminosité. Voilà, on verra mieux. Donc voilà, donc ça c'est la carte de Damien. C'était pour Halloween. Damien, je m'excuse encore une fois. Je t'enverrai un petit mot, ça c'est sûr, parce que c'est super, super gentil de m'avoir envoyé cette très, très jolie carte. Franchement, elle est magnifique. Vous voyez? Elle est vraiment très, très jolie, très, très belle. Donc, Damien, j'avais déjà eu ton courrier, hein, mais je te remercie encore une fois, parce que c'est vraiment très, très gentil. Et c'est vrai qu'un petit courrier, ça fait toujours très, très plaisir. Voilà. Oui, j'ai vu que tu étais revenu sur ta chaîne, donc je vais avoir de temps en temps, je vais avoir tes vidéos, je vais voir ce que j'ai raté. Et franchement, allez voir le coup de la baignoire, c'est super, super joli. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Alors, deuxième courrier, c'est plus un colis qu'un courrier, parce que je suis allée chercher un point relais. Et il faut que je vous dise à ce sujet. Voilà. Je crois pas qu'elle m'en voudra, hein. Mais si vous connaissez Kitty Kratine, elle faisait de très jolies choses, de la création, des bougies, de la couture, enfin plein de choses. Et Kitty a arrêté sa chaîne. Voilà. Donc on ne la trouve plus sur YouTube, c'est bien dommage. J'arrive encore un peu à parler avec elle par mail, hein. Mais comme elle a complètement arrêté sa chaîne, elle m'a envoyer des petites choses comme ça, donc enfin petit, c'est quand même assez lourd. Et je vais découvrir. Oh là, en effet, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ce qu'elle m'a envoyé, je la remercie du fond du cœur. C'est super, super gentil. Alors, oh là, ah oui. Je regarde. Voilà. Donc voilà, elle m'a envoyé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un courrier? Là, il y a une enveloppe. Donc, par Mondial Relais, donc j'ai le papier de Mondial Relais. Voilà. Donc, il y a tout ça, tout ça. Ça, c'est. Ah, il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Il y a. Si, je pense que si. Hein. Peut-être ça, non? Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé. Ça doit être ça. Des bonbons ou assorts. C'est très très joli. Franchement, regardez. C'est très beau. Une très jolie carte. Donc, elle me dit donc. Qu'est-ce qu'elle me dit? Attendez, il y a un papier là. Alors, merci de m'avoir suivi dans l'aventure YouTube qui prend fin pour moi. Donc, je vous dis. À l'arrêter YouTube. Je continue à te regarder dans tes créations YouTube. J'espère que mon cadeau te servira, mais j'en suis sûre. Certainement. Bonne création, amitié, Laetitia. Ben écoute, moi, tu vas me manquer beaucoup parce que j'aime bien venir sur ta chaîne. Tu le sais, hein. J'aimais beaucoup, beaucoup venir sur ta chaîne. Donc, on a ici cette très jolie carte. Alors, attendez, parce que là, il y a des choses. Par contre, on commence. Alors, elle m'a envoyé des choses dont elle ne se servira plus, notamment ses fonds de création. Elles sont très très jolies. C'est un papier super joli.
Ici, nous avons... Ah bah tiens, je l'ai pas ceci. Ça. Vous voyez, c'est, ça vient de chez Action. C'est une... C'est pour faire des murs, ça, non? Ah, c'est pas ouvert. Non, c'est même pas ouvert. Non. Dedans, il y a quoi dedans? Comment on ouvre ça? Normalement, on ne doit pas tirer dessus ou un truc comme ça. Je crois que je les ai jamais achetés, ceux-là, en fait. Non, non, ça tient bien. Ah, mais c'est ouvert, donc attendez. Attendez, attendez. Hop. Voilà. Ah oui, c'est pour faire un mur de briques. Comme ça. En embossage. Alors là, il y a un morceau qui s'est détaché. Je pense que ça vient de là. Voilà. Donc, on a ça pour faire un embossage. Regardez. C'est, je sais pas comment ça marche. Ben voilà, comme ça, simplement. Voilà, avec une petite fenêtre là. Je pense que tu peux pas mettre quelque chose d'ailleurs. Une petite fenêtre. Donc ça, c'est un mur de briques. Comment j'ai fait pour le sortir? Je vais remettre dedans quand même. Hop là. Et ici, nous avons des petits tamponnages à pied bordé, comme ceci. Voilà. Vous connaissez peut-être, moi je connais pas. Hein. Là, on a. Alors là, je sais pas lire par contre. Follow your dream. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est en anglais. Donc c'était avec. C'est des petits tampons, hein. Des tout petits tampons comme ça. Voilà. Hop. J'ai une lumière qui me donne, je ne sais pas d'où. J'ai peut-être un petit peu trop d'éclairage. Vous savez que moi j'aime bien jouer avec mon éclairage. Là, peut-être comme ça alors. Voilà. On est derrière. Ça ne viendra pas derrière. Là, voilà. Donc là, comme ceci. Comme ceci. Et il y avait aussi celui-ci. Voilà. Tout ça, c'est dans. Dans ce, je dirais ce set quoi, donc je le remets dedans en attendant de le ranger. Hop, donc on a ça, ça je le ferai après. On a un ami des cadres, oh c'est joli, des jolis cadres comme ça. Regardez, ah ils sont super jolis. Il y en a trois de chaque. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont jolis, hein. Elle m'a mis des fonds comme ceci. Tiens, je connais ça, ce fond-là. Je crois que j'ai le papier. Ça vient d'un papier, ça. Oui, ça, je l'ai en bloc. Oh, dites donc, je dois faire deux chapeaux steampunk en grandeur nature. Et bah, ça, ça va me servir. Je t'en remercie du fond du cœur. Parce que je cherchais des choses à mettre dessus. J'ai des rouages, mais j'en avais pas des grands comme ça. Et franchement, ça va être terrible. Voilà. Alors, il faudrait que je fasse ça même pour Noël. Donc, j'ai du travail. J'ai du pain sur la planche, mais je le ferai pas en caméra. Je le ferai hors caméra et je vous le ferai voir après. Ensuite, ça c'est un... C'est pour Noël, hein. J'ai pas ce truc là moi. Vous voyez, c'est vraiment c'est des déchus, mais c'est intéressant parce que voilà, plutôt de les jeter, moi je trouve que c'est super super gentil. Ici on a, c'est quoi, une Michelin Bordeaux tulle. Bordeaux tulle, hein. Alors c'est une carte, c'est pas une carte postale, non pas une carte postale, une carte toute chère. Ah oui. Oula, c'est vieux, je crois. Hein. Ah oui, pour faire des découpes. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ah, c'est super. Alors là, je te remercie parce que ça, j'en cherche. Je n'en trouve pas. Donc, c'est des vieilles cartes routières. Vous voyez, des fois, on a besoin des morceaux comme ça. Ah, c'est sympa, ça. Ah oui, ça, c'est super sympa. Ah oui. Ah, mais elle doit être vieille, celle-ci. Hein. Je sais pas de quand est-ce qu'elle date, mais elle doit être vraiment vieille. Il n'y a pas de date là-dessus, je crois pas. Hein.
avec les vieilles voitures jusqu'au vélo. Et non, je crois pas qu'il y ait de date là-dessus. Les grandes routes de chez Michelin. Oh, c'est vieux ça. Oh, c'est très très vieux. Eh ben ça, c'est super. Je te remercie. Ça, ça va me servir. Oui, ça va me servir. Ensuite, je remets quand même dedans parce que je ne veux pas être éparpillé, n'est-ce pas? Après, on trouve plus rien. Ensuite, parce qu'elle m'a mis plusieurs choses, là c'est pareil, c'est comme moi, c'est des fonds de... Moi j'aime bien parce qu'on peut déchirer et se servir. Donc c'est des jolis papiers. Comme ceci. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs feuilles, plusieurs modèles. Ah oui. Il est beau ce papier, dis donc. Il y a 4 feuilles, 4 ou 5 feuilles à chaque fois. Enfin, il y en a plusieurs de toute façon. Ah, mais il y en a plus que ça en fait. Il y a 3 modèles. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Alors, ça c'est... Alors, c'est des étiquettes. Des étiquettes, ça. Mais je crois que j'ai eu ça, moi, dans le temps. Ah, ben oui! J'avais eu ça, je m'en ai servi pour l'album de ma fille. C'est des autocollants sur tout ce qui est astrologie, sur la lune et tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, la lune, les étoiles, enfin, bon, voilà. Donc, tout un paquet d'étiquettes, comme ça, vous voyez. C'est super sympa. Ouais. Un de ces quatre, je vais faire un marque-page avec ça d'ailleurs. Ah, il y a même sur les quartiers de lune et tout. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ça me parle, ça. Ça me parle. Regardez. Ah, c'est pas mal du tout. Hop, c'est très mouvant par contre. Très très mouvant. Hein. Ça bouge beaucoup. Donc une petite pochette d'étiquettes. Vous voyez, si jamais il avait fallu jeter tout ça, ça aurait été quand même très dommage. Je trouve. C'est pour ça que je te remercie, Kitty, d'avoir pensé à moi. Hop. Et à d'autres copines, certainement, je suppose. Alors, ici, on a... C'est quoi, ça? Ça s'ouvre. Oui, c'est un carnet. Ah, ben voilà. Ah! Ah oui! Mais c'est encore des feuilles, en fait. Regardez. Comment ça s'ouvre. Ah, je dis à l'envers. Voilà, c'est tout... Ah oui, c'est tout du papier, comme ça. Et tous des motifs différents. Oh, il connaît un peu, celui-là. C'est dommage. Pas grave. Ah ben non, puisqu'il est là. Regardez. C'est... Non, c'est joli. Franchement, c'est joli. Regardez, tous des motifs différents. Oh, c'est bien, ça. Vous voyez, elle s'en servit. Moi, je fais, hein, je pioche là-dedans, puis je prends des morceaux. Ah, génial. En plus, c'est un thème que j'aime beaucoup. Ah, je te remercie. Franchement, je te remercie. Dans un petit carnet comme ça. Ensuite, parce que c'est pas tout. Là encore, il y a ça. C'est une plaque d'embossage. Avec des petits oiseaux. Avec des petits oiseaux comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je vous dis, hein, à l'époque, je ne les ai pas pris, ces plaques. Donc, je ne les ai pas, en fait. Voilà. On a... Ici, dans un sachet, une belle boucle pour mettre sur un album. Elle est jolie, hein? Elle est belle. Hein? Mettre sur un album. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Hein? Et là, un croissant de lune. Super joli. Elle m'a mis. Alors ça, c'est du diamant painting. Ouais, c'est un petit diamant painting. Bon, c'est pas trop mon truc, mais pour offrir, je pense qu'elle ne dirait rien si je l'offre à quelqu'un qui en fait. Je connais quelqu'un qui fait du diamant painting et ça lui ferait certainement plaisir de l'avoir. Ensuite,
Je me décale tout le temps là. Alors ça, c'est quoi? C'est un bracelet. Ah, mais il faut le terminer. C'est ça, hein. En fait, c'est... Oui, il n'y a pas de fermeture, donc c'est pour le terminer. Elle faisait aussi des bijoux. On en fait peut-être toujours hors caméra, je sais pas, hein. Mais je sais qu'elle faisait des bijoux. Il est joli, ils sont jolis ces pierres. Ces petites pierres comme ça, elles sont vraiment belles. Voilà. Je vais le remettre dedans. Je le terminerai. Ah, je sais plus ouvrir le paquet. Je suis assez émue de ce qu'on voit parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est vrai qu'elle m'avait prévenu qu'elle m'enverrait quelque chose, mais je pensais pas à tout ça. Donc ça, je vais le remettre dedans. Hop, voilà. Oula. Alors. Waouh. Ah, ça c'est. Ça, je l'avais vu quand elle l'avait présenté sur sa chaîne. J'avais trouvé ça mais super chouette quoi. C'est mythique. Ah ben, c'est de l'autre côté peut-être, comme ça. C'est mythique. Ah, j'aime bien. Ah, elle est super jolie. Oh merci, merci, merci. Ah non, mais il est trop beau quoi. Je sais même pas où tu l'avais trouvé celui-là. Elle m'a mis. Oh, bien. Donc bien pour Noël ça. La poussière d'étoiles, regardez. Comment je vais vous le faire voir? J'ai pas ce qu'il faut sous la main. Si là. Regardez. De la poussière d'étoiles. Ça c'est magnifique. Je vais tomber quelque chose, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Ça c'est tout plein d'étoiles. Je pourrais m'en servir de ça. Ah oui. Et là, c'est océan. C'est un petit avec une bouteille à la mer. Alors, je sais pas de quel côté, comme ça, non, comme ça. Bon, ça n'a pas d'importance, je pense, hein. Voilà. Super sympa. C'est super, super sympa. Donc, dans cette enveloppe, qu'y a-t-il? Je regarde si j'ai rien oublié quand même. Dans cette enveloppe. Oula! On a plein de choses. Ah, on a nos petites bébêtes. Ça, je connais. Ça, je connais les petites bébêtes comme ça. Ça, vous devez connaître aussi, hein. Voilà, avec les papillons, les grands papillons, les bestioles comme ça. J'ai jamais compris pourquoi ils les avaient fait aussi grands. Voilà, ils sont beaux, hein. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça aussi grand chez Action. Il y a, des petites feuilles comme ceci, qu'on peut se servir aussi. Ah, c'est quoi ça? Oula, attendez, 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 on va mettre ça sur le côté. Les petites mains comme ça, elle doit avoir le tampon, je pense. Ça, c'est bien ça. Pour chaque minute de colère, on perd 60 secondes de bonheur. Oh, c'est bien vrai ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai, hein. Alors là, je vous dis, là, ta, 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 hop. Ça c'est vrai de vrai. Love, c'est un fond qu'elle avait fait, sûrement. Ouais, pas mal celui-là. Là, ce sont les petits monstres d'Halloween. Et là, c'est un joli tampon de jeune femme. Il est joli ce tampon.
Elle a des cerises sur les oreilles. Dans des cerises. Très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Ah, des petits squelettes. Ici. Des petits squelettes. Des tout petits squelettes comme ça, tout minuscule. Pour Halloween l'année prochaine. On va même faire une paire de boucles d'oreilles avec. Il y en a deux. Regardez. Hop là. Ah, c'est génial. Boum, boum. Je suis pas content, les squelettes, ils veulent retourner dans le paquet. Alors, on va les remettre, hein, pour pas les perdre. Alors, pareil. Voilà. Donc, ça je vous l'ai fait voir, je crois, je sais plus. Des petits papillons, j'en ai encore des choses comme ça. Et pourtant on n'en trouve plus. Ah, c'est par là. On n'en trouve plus, ça, hein, chez Action, je crois que... Ah, ça fait un moment, je crois qu'on n'en trouve plus. Voilà. Et alors ici, il faut que je prenne quelque chose pour mettre ça dessus, parce que c'est transparent. Donc... Je vais regarder, je n'ai pas une feuille là quelque part. Ça peut-être. J'ai vu que c'était brillant et transparent. Alors on a hibou ou chouette. Selon là, c'est un soleil. Ah, c'est pas mal, il y a deux visages là-dessus. Là, oh, belle pieuvre. Jolie pieuvre. Là, c'est un œil. J'en ai cherché un moment, ça j'ai jamais trouvé. Et là, ça met encore un œil sur la mythologie. Hein. Oh ben vous le voyez très bien là. Regardez, c'est ces deux-là là, sont fluo. Oui, ça dépend comment on les met. Voilà. Laetitia, que dire? Sinon, merci. Un très 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 grand merci. Je viens de vous mettre dans l'enveloppe. Non. Un très très grand merci, franchement je suis tu as été très très généreuse là, franchement oui, c'est voilà, en vérité je sais pas trop quoi dire parce que je suis tellement comment dire, j'ai tellement mal au cœur que tu fermes ta chaîne, que tu as fermé ta chaîne. Je m'y attendais pas du tout du tout. C'est dommage parce que tu faisais quand même des choses très très intéressantes. Et moi je regrette, hein. Je regrette un peu voilà, de perdre une amie encore, de perdre encore une amie de plus sur YouTube. Je trouve qu'en ce moment on perd beaucoup beaucoup de monde sur YouTube. On ne sait pas trop pourquoi. Moi personnellement, je dirais que je reste sur YouTube parce que, bon, étant d'un certain âge, on va dire ce qui est, c'est quand même. Une façon de ne pas être tout seul, n'est-ce pas? Ne pas se retrouver isolé, on va dire. Donc voilà, c'est bien. On voit des copines, on voit des. Voilà. Alors même si la chaîne ne marche pas trop bien, même si on n'a pas beaucoup de visites, mais c'est le plaisir de créer, de partager, et puis d'aller voir d'autres copines en fait. D'autres personnes qui font aussi de très jolies choses. Merci aussi à Damien, je vais mettre sa carte là, Damien. Merci à Damien. Damien, je te réponds, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc moi, tant que je pourrai rester sur YouTube, d'ailleurs j'ai eu peur tout à l'heure, parce que quand j'ai ouvert mon YouTube, il me disait qu'il fallait faire ci, faire ça, enfin, hein. Moi, je comprenais pas, hein. Je comprenais pas ce qui m'arrivait là sur YouTube. Hein. J'avais reçu un drôle de message et tout, j'ai tout fermé. J'ai rouvert et puis j'ai cliqué sur mon petit assigne de Google là, Google, pour retrouver mon YouTube. Hein. Il fallait se reconnecter et tout, mais je sais quoi ça. Et justement à ce propos, puisqu'on en parle, j'ai ma belle-fille qui est venue hier avec mon fils. Ils sont venus hier, ils ont passé hier après-midi, ils étaient dans le coin pour leur travail. Et parce qu'ils sont à leur compte. Et elle me dit, surtout n'essayez pas de me joindre sur YouTube parce que j'ai été piratée.
Puis comment on peut arriver à pirater YouTube, quoi? Enfin, je sais pas. Moi, YouTube, je vais très très rarement. Mais je comprends pas parce que en plus, j'espère que c'est pas le. J'ai pas pensé lui demander si c'était son un piratage de son entreprise, parce qu'ils ont une entreprise qui passe sur Internet, ou si c'était son YouTube perso, mais je crois que c'est son YouTube perso qui a été piraté. Alors franchement. Je suis tombée un petit peu des nues parce que franchement, elles n'y mettent pas grand-chose en plus sur leur YouTube, donc voilà quoi. Et du coup, c'est tout ça pour venir à vous dire que j'ai eu très peur de ne pas retrouver mon YouTube, quoi. Alors j'espère que ça ne se refera pas une deuxième fois parce que là, franchement, je me demande. Après, moi, je ne sais pas du tout comment on fait hein, pour rattraper. Hein. Je n'en ai aucune idée. Au secours, Isa, aide-moi. Voilà. Donc, tout simplement pour dire ça. Bon, bah alors, merci. Merci Damien. Très très jolie carte. Elle est très jolie ta carte. Franchement, elle est très belle. Merci à ma copinette. Elle restera malgré tout gravée dans mon cœur. Hein, à Laetitia. Et puis, que vous dire de plus? Bah, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Un petit commentaire si vous le voulez. Et puis, je vais mettre là, on le voit mieux là. Hein, on voit mieux. C'est une petite sorcière, ici. Petite sorcière d'Halloween, elle est gentille aussi. Hein. Et puis, comment vous dire, ben, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, faites attention surtout à vos comptes sur Internet. Et puis voilà, quoi. Je vous quitte, je vous laisse. Adieu. À très vite de vous revoir. Bisous.